Alors bonjour à tout le monde, je fais cette vidéo tout simplement parce que j'ai reçu le colis de Candy-san. Je suis très contente. Donc là vous voyez mon colis, hein, on l'a déjà mangé. On n'a pas mangé tout. Hein. Je veux dire qu'on a vu qu'on l'a reçu il y a 2 jours, on en a quand même mangé. Voilà, je suis désolée mais voilà. Tout d'abord je vais vous présenter ça. Pas ça, hein. Ça. C'est des bonbons au goût de grenade. Comment vous dire que ces bonbons, je les adore. Et Yannick aussi. Donc pour ceux qui ne savent pas qui c'est Yannick et qui ne suivent pas, c'est mon chéri. D'ailleurs, vous n'avez pas beaucoup commenté cette vidéo, ça m'étonne. Sachant qu'il y avait beaucoup de monde qui me demandait « Ah, on aimerait bien voir ton chéri, faire une vidéo avec ton chéri », mais personne commente. Ça m'a un peu déçue, pour être honnête, mais bon. Bref, passons. Donc, c'est des petits bonbons comme ceci, en forme de grenade. Et c'est un goût de grenade. C'est vraiment trop bon. Et vous avez un sachet fermable, refermable, donc c'est super. Ensuite, vous avez cela, donc c'est au litchi. C'est le même principe. Hein. Vous avez une petite gomme comme ceci, en forme comme ceci. Et ça a un goût de litchi et c'est super bon. Apparemment, c'est bon pour la peau. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu ça, mais je ne sais pas si c'est un cadeau ou quoi. Il faudra que je regarde. Donc c'est des bonbons qui sont en forme un peu de créma, comme ceci là, comme ce que vous voyez là. C'est un goût de raisin. Moi j'aime beaucoup, mais Yannick n'aime pas. Donc voilà. Ensuite on a beaucoup aimé ce petit sachet. D'ailleurs il n'y en a presque plus, preuve qu'on a beaucoup aimé. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Donc celui-là il est à la pêche. Quand vous mettez pêche raisin, ça vous donne fraise. Quand vous mettez pêche ananas, ça vous donne mangue. Moi, j'ai essayé pêche ananas et ça m'a rendu mangue. Et franchement, ça a vraiment le goût de mangue. Pareil pour ananas raisin, un goût de poire. Et Yannick, lui, il avait essayé aussi raisin et pêche. Et ça a donné vraiment le goût de fraise. Donc franchement, on a beaucoup aimé. C'est spectaculaire. Enfin, c'est étonnant de voir qu'en mélangeant ces deux goûts, ça vous donne vraiment le goût qu'ils disent. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Tous les petits sachets comme ça, mignons, je crois que je vais les garder parce qu'ils sont trop trop choux. Surtout celui-là, parce que j'aime beaucoup. J'adore Mario, donc voilà. Hein, je suis fan de Mario. Le packaging est juste magnifique. C'est vraiment trop trop beau. Je risque de le garder, le sachet. C'est des petits bonbons comme ceci, avec les pouvoirs des personnages et les personnages. La luminosité est pas trop bonne, donc là vous avez Luigi et Mario. Et à chaque fois vous avez des goûts de fruits. Moi j'ai goûté pomme. Oh, ça avait trop le goût de pomme, donc c'est super bon. Yannick il avait goûté orange, il a trouvé que c'était super bon aussi. On a essayé ça, donc franchement c'est tout petit, bon, il n'y a pas grand chose dedans. C'est de la barbe à papa. Donc voilà, le packaging, enfin le sachet est très joli. On n'a pas aimé. Et ça pétille, mais on n'a pas aimé. Ensuite, on a goûté ça. Regardez ce beau sachet. Il est juste magnifique. Même derrière, c'est trop joli. Moi, j'ai beaucoup aimé. Déjà, j'ai beaucoup aimé le style du sachet. En France, on n'a pas ça. Donc, comme vous voyez là sur cette image, c'est un petit bonbon de cette forme-là avec ce sachet-là. Et ça a le goût mais de coca, mais un truc de fou. C'est comme si vous buviez un coca quand vous prenez ces petits bonbons. C'est trop bon, on a beaucoup aimé. Mais je sais pas si on recommandera parce que... Enfin, on commandera peut-être plus tard, mais là on en a pas mal quand même. Ensuite, en salé, on a essayé ça. On a beaucoup aimé, on est rendu à la moitié du paquet. Ça a goût de curry, c'est trop trop bon. C'est comme des formes de curly, c'est... Voilà, c'est des formes comme ceci, en curly. C'est trop bon. Ensuite, on a testé ça. Et vu que j'ai fait la vidéo tout à l'heure, j'en ai mangé un, donc du coup, il n'y en a plus. C'est des petites formes de panda, trop mignons.
j'ai beaucoup aimé le sachet qui est juste trop chou. Mais bon, il n'y en a plus. Mais on n'a pas trop aimé. Enfin, Yannick, lui, il a aimé, mais pas moi. C'est au chocolat au lait, au chocolat blanc. On sent pas le chocolat blanc, on sent plus un genre de chocolat très très noir. C'est bizarre. Bref. Ensuite, on a testé ces petits bonbons que tout le monde parle. Donc, c'est des bonbons qui sont effervescents dans la bouche, qui pétillent un petit peu. Et à la fin, vous avez une pâte un peu bizarre. Et c'est des formes de boules. C'est des boules. Et puis quand vous ouvrez, c'est mignon parce que vous avez ça. Puis derrière, vous avez... Enfin, c'est vraiment bien fait, je trouve. Voilà. Mais on n'a pas aimé. Yannick a plus aimé celui-là. Et moi, j'ai plus aimé raisin. Voilà. Voilà. Ensuite... J'ai essayé des bretzels que tout le monde parle. Donc moi, j'ai une boîte différente des autres personnes qui montent à chaque fois en vidéo. Donc, c'est censé être au miel et au beurre. Donc, ça a plus le goût de d'une... je sais pas, tout le monde dit que c'est un goût de chamallow, de marshmallow. Moi, je trouve pas. C'est un goût plus de miel, un petit peu... ça va, c'est bon, mais... c'est... je rachèterai pas. Ensuite, j'ai essayé ces petits bonbons qu'on a déjà mangés avec trois petits bonbons à l'intérieur. C'est des trois boules. Et vous avez une boule qui est censée être acide. Et c'est vrai, franchement, ça vous fait faire la grimace, comme il dit si bien. Voilà, j'en rachèterai peut-être d'un autre goût. Ensuite, on a essayé ces petits trucs. C'est trop bon. Là, celui-là, c'était au salami. J'ai trop aimé. Yannick aussi. Et on a essayé poulet curry, qui c'est trop bon aussi. Ça a vraiment le goût. Mais moi j'aime moins celui-là, je préfère le salami. J'ai essayé aussi les Emma avec mon chéri et on n'aime pas trop. Voilà, c'est des bonbons à sucer, rien de spécial. On a pris petite boîte de One Piece, donc ils sont fans des fans de One Piece. Et donc à l'intérieur vous avez un poster. Voilà. Et vous avez 4 bonbons. Et les bonbons sont dégueulasses. En fait, je crois que le mieux, c'est si vous êtes fan de One Piece comme nous, vous prenez juste pour les posters parce que les bonbons sont pas bons. Bref. Ensuite, on a pris des petites pastilles comme ça, des petits bonbons en forme comme ceci, qui a le goût de boisson énergisante. Et ça a vraiment le goût de boisson énergisante. Mais bon, je rachèterai pas non plus. Et en cadeau, on a eu un petit sachet d'Oreo comme ça, avec un tout petit Oreo à l'intérieur. Je trouvais que c'était un peu... pas beaucoup de cadeaux, quoi. Bref, j'ai eu un petit cadeau, c'est déjà bien. Donc, un petit Oreo qui était... bon. Alors, pour vous dire, moi, j'ai adoré cette commande, hein, pour être honnête. Et je préfère largement Candy San à l'autre site américain. Et je recommanderai sur ce site Candy San. Je trouve ça super. Les boîtes sont magnifiques, sont trop trop mignonnes, sont trop choux, rien à dire. Regardez ça. Bref, c'est trop mignon, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai pas eu beaucoup de temps pour vous parler, parce qu'il me reste 40 secondes. Je vous dis à très bientôt.